Salut les amis, j'ai reçu plein de matos et aujourd'hui on regarde tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais l'appeler colis de fan numéro 1. Voilà, je vais l'appeler comme ça parce que je regarde des vidéos d'un certain Philippe de Mériac et il fait des vidéos de colis de fan et moi j'aime bien ces vidéos là. Donc je me suis dit, je vais m'inspirer de ça et je vais faire un peu la même mais pour le mining. Voilà, et donc je vais vous montrer ce que Arnaud m'a gentiment envoyé parce qu'il arrête le minage à base de GPU. Et donc du coup il m'a envoyé toutes sortes de trucs, donc il a vendu ses cartes hein, évidemment, hein. Mais il m'a envoyé toutes sortes de trucs qu'il y avait et qu'il n'avait pas réussi à vendre. Et donc voilà, il m'a envoyé tout ça gentiment et donc je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé. Puis comme ça, ça nous fait un sujet de discussion aussi. Hein, donc déjà, j'avais pas de cartes comme ça moi. Tu sais les BTC 37, j'en avais pas, moi j'ai que des cartes normales quoi, des cartes mères ATX classiques. Et voilà, je vais pouvoir tester ces cartes là. Donc il m'en a envoyé 3 comme ça. J'ai pas 18 cartes à mettre, hein. J'ai pas 18 cartes graphiques en plus, mais sait-on jamais. Hein, lors du prochain bullrun, sait-on jamais. C'est la première fois que j'en vois une. Tu vois, donc je suis assez surpris déjà de la qualité du PCB. Je trouve qu'elle est très bonne. En plus, j'aime bien les PCB noirs. Hein, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on voit bien que le processeur, hein, quand même, il est vraiment ridicule. Il est soudé. Il est tout petit. Hein, il est là, hein, tu vois. Il est soudé. Il est tout petit. Ici, tu as la place pour mettre un SATA, un SSD, hein, ici, hein, en M2. Je crois qu'elle est Wi-Fi. J'en suis pas sûr, hein. Sinon il faut mettre une carte Wi-Fi ici, j'en ai une, hein, une ou deux, et puis si tu branches un SSD ici sur les ports SATA, hein, voilà, ici tu as les rails d'alimentation, hein, donc les prises d'alim en 6 pins, comme on peut avoir donc sur des riser, hein. Et puis ici tu as des prises pour les fans, donc ça c'est intéressant, pour mettre les ventilateurs, ça c'est plutôt sympa aussi, hein. Donc on voit bien que la carte elle a vraiment été prévue pour le mining. Il y a même un bouton ici pour le on off ou marche arrêt, je sais pas trop. En tout cas c'est vachement sympa, voilà. Après voilà, bon, moi je préfère quand même les cartes mères de PC gaming, hein. Je trouve que pour miner c'est quand même mieux, parce qu'il y a aussi une question de circulation d'air, et je trouve que quand tu mets toutes les cartes là-dessus, tu vois, l'air circule pas forcément très très bien, mais bon, voilà, pour faire de l'industriel presque, ça peut être sympa. En tout cas c'est des cartes mères qui ont eu leurs heures de gloire, hein. Voilà, bon là il faudrait que je les dépoussière un petit peu, hein. Mais c'est des cartes mères qui ont eu leurs heures de gloire à une certaine époque. Après je trouve qu'elles manquent un peu de polyvalence, tu vois, par exemple on pouvait pas miner de Dynex avec ces cartes là, hein, parce que le processeur est vraiment trop peu puissant. Et puis ici tu as la mémoire, hein, donc je pense que c'est 4 gigas, hein, j'imagine, hein. Ah bah c'est de la cruciale, Nino, c'est de la cruciale, donc ça c'est plutôt de la bonne qualité. Et voilà, j'imagine que c'est de la DDR3 ou DDR4, je sais pas du tout, je regarderai ça. Oui, 4 gigas DDR3, tu vois, 4 gigas DDR3, donc bon, c'est quand même assez ancien, tu vois, hein, au niveau du processeur, la DDR3, ça remonte quand même à quelques années. Donc j'en ai 3 comme ça, donc je vais les mettre de côté, hein, au cas où un jour ça pourrait servir, hein, sait-on jamais, hein. Voilà, après il m'a envoyé aussi un gros paquet de riser. Alors là je vous les montre pas tous, hein. Je vous les fais pas tous voir, hein, mais j'en ai beaucoup plus que ça. Du coup, alors tu vois, il y en a pas mal, hein. Attends, je te fais voir tout ça. Il y en a même des neufs, j'ai l'impression. Tu vois, ceux-là, ils sont neufs. Alors, ils sont assez étonnants parce que moi, j'ai des risers qui sont pas comme ça. Tu vois, ils sont hyper hyper fins, quoi. Moi, j'ai plutôt des risers comme ça. Tu vois, ça, c'est le type de riser que j'ai. Et ça, c'est le type de riser qu'il m'a envoyé, tu vois. Et regarde, ils sont vraiment... sont vraiment différents, quoi. Hein. Sont vraiment différents. Alors, je sais pas s'il y en a des mieux ou des moins bien ou quoi. Hein, j'en sais rien. Je vois quand même que là on peut brancher une Molex dessus. Ici Molex et 6 pins. Là tu vois c'est Molex et SATA. Alors SATA est évité, hein, le SATA, hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas recommandé. Hein. Bon après c'est vrai que sur le riser, normalement ça tire pas au-dessus des 60 watts. Hein, donc moi de toutes les mesures que j'ai pu faire, on était aux environs de 50 watts à tout casser, quoi. Hein, donc
Bon, c'est vrai que le SATA peut suffire. Après, vraiment sur des grosses cartes, faut faire attention quand même. Hein. C'est pas vraiment à conseiller. Après, tu vois, voilà, c'est vraiment beaucoup plus petit, quoi. C'est la même chose, hein, mais en plus petit. Donc pourquoi pas. Je testerai ce Razer-là, ils ont l'air cool. Et en plus, ils prennent pas, ils prennent moins de place, quoi. Là, c'est des composants un peu plus anciens. Hein, tu vois, là, le MOSFET est plus gros. Ici, il est beaucoup plus petit. Hein, donc là, c'est des composants plus récents hein, qu'il y a là-dessus. Hein, sur ces... Alors moi, j'en avais pas des aussi petits, hein, aussi fins. J'ai que des grands comme ça. Pourtant, j'en ai même des récents. Tu sais, les blancs avec toutes les LED là qui s'allument là. Mais des comme ça, j'en avais pas. Donc c'est bien. Je découvre un truc. Hein. Voilà. Puis si j'ai envie d'avoir des cibles pour tirer à la carabine, eh ben j'en ai. Hein, parce que moi aussi j'en ai à côté encore des Razer. Hein, je crois que les Razer ça fait un vrai gâchis d'électronique hein, quelque part. Hein. Pour tous les gens qui arrêtent de miner. Hein. Bah oui, c'est la seconde purge. Hein, c'est la seconde purge. Donc tu vois, il y a beaucoup de gens qui arrêtent le mining. Hein, à base de GPU en tout cas. Et bah tu vois, pour le coup, voilà. On reçoit des cartes comme ça parfois, des choses comme ça. Alors après je voulais te montrer ça, donc ça, bon ça je connais bien, hein, j'en ai déjà d'autres, hein, des comme ça. Donc ça c'est un câble d'alimentation donc ATX normal, sauf que tu vois ici il a deux prises qui sont connectées là, et ici tu peux brancher donc une seconde alimentation, et ça te permet donc de démarrer deux alimentations en même temps, hein, donc c'est plutôt sympa comme truc. Donc ça je l'utilisais quand j'utilisais pas des alimentations serveur, mais maintenant c'est vrai que j'utilise des alimentations serveur, et donc j'ai un processus de démarrage qui fait que normalement j'ai plus besoin de ce genre de câble. Et puis il m'a envoyé aussi ce genre d'alimentation. Alors ça, c'est vraiment des alimentations spéciales mining. Hein, tu vois, c'est des grosses alimes, elles pèsent son poids. Alors contrairement à un paquet d'alimentation chinoise, celle-ci, elle est réellement 80 plus gold. Quand on regarde le logo, hein, c'est vraiment le bon logo. Il y a même le petit R et tout. Donc, alors je ne l'ai pas testé. Hein, je ne l'ai pas testé, en tout cas elle est très lourde. Donc j'imagine que c'est vraiment une 80 plus gold. Qu'elle soit 1800 watts, ça je sais pas, hein, ça par contre. Hein, mais enfin si elle est vendue comme une 1800 avec ce truc là, cette certification, normalement ça devrait être bon. Hein. Et donc le principe de ces alimentations là, tu vois, c'est de remplacer complètement ton alimentation PC. Alors je vais te montrer, tu vois, il y a les donc il y a le port 24 pins, hein, comme ça, 20 plus 4, hein, pour la nouvelle norme ATX, la 2.3. Voilà, tu as aussi des ports Molex, comme ça, avec. Donc, alors c'est pas, tu vois, c'est pas une alimentation modulaire, hein, tu as tous les câbles accrochés, c'est un peu à l'ancienne, hein, bon, enfin après on s'en fout un peu. Hein. Voilà, les câbles ils sont quand même d'une bonne longueur. Et évidemment, tu as une chier énorme de câbles comme ça en 6 pins, hein, donc en 6 ou 8 pins, hein, puisque tu peux les adapter. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Alors il y en a beaucoup, hein. Je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, et surtout ils ont une longueur qui est intéressante, tu vois, donc ça te permet quand même d'aller chercher tes cartes assez loin. Voilà, et puis bah ma foi c'est tout, il m'en a donné 4 comme ça, donc c'est cool. Je pense qu'elles font du bruit, hein, donc je vais peut-être pas les brancher tout de suite. Je vais peut-être pas les brancher tout de suite parce que je pense qu'elles font pas mal de bruit. Mais souvent, ce qui se fait, c'est que tu mets une alimentation comme ça, plus une autre alimentation normale, hein, avec ce genre de câble. Hein, et ça te permet d'avoir pas mal de watts sur ta machine et d'alimenter un bon paquet de cartes. Hein. Je pense que ça suffit pour alimenter 8 cartes. Hein. Après, il faut voir si c'est suffisant en termes de puissance pour alimenter 8 cartes. Hein. Bon, a priori, ça devrait pouvoir tirer du 1500 watts à la prise. Hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est du 80. Hein, donc c'est 80% de environ, hein, 80% de l'alimentation. Hein, voilà. De l'alimentation qui est demandée. Hein, donc je sais pas, je ferai peut-être des mesures, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, il y a un truc qui est intéressant à vérifier, c'est que c'est plutôt de la bonne qualité, parce que quand tu regardes, pour une alimentation chinoise, hein, j'entends, hein, parce que quand tu regardes, tu vois, avec ton multimètre, si je le règle en mode continu, tu vois, comme ça, là je suis en mode continu, donc si tu veux le mode continu, c'est pour vérifier la continuité électrique, hein, donc tu vois, ça bip,
ça bip. Donc je vais tester, voir si par exemple la terre est bien reliée, tu vois, parce que ça c'est un truc qui est vachement important. Donc la terre c'est le milieu, hein, ici, sur ce type de prise. Hein, donc tu vois, je dois toucher la terre et je touche n'importe où sur le boîtier et ça doit biper. Et tu vois, la terre est bien reliée. Donc on est quand même sur une alimentation qui a l'air de bonne facture. Alors je vais pas l'ouvrir. Hein, je vais pas l'ouvrir pour regarder quels composants il y a dedans, parce que déjà c'est dangereux d'ouvrir une alimentation, hein, il faut décharger les condensateurs, hein, qui peuvent être chargés, des fois ils sont à 400 volts, hein, donc il y a quand même un danger, c'est quand même dangereux quoi, hein, donc je vais pas l'ouvrir, mais de ce que je peux en voir d'extérieur, ça m'a l'air plutôt pas mal. Autre chose qui n'a rien à voir, hein. Je voulais vous montrer ce genre de petit clavier. Alors ça c'est un truc à moi, hein, il ne l'a pas envoyé. Je vais vous montrer ce genre de petit clavier radio. Tu vois comme ça, t'as un petit truc que tu branches. Sur ton rig et ça te permet d'avoir le clavier et la souris en même temps. Hein, il y a un genre de trackpad. Hein, attends, je vais ranger ça. Il faut que j'arrive à le remettre dedans, hein, voilà, avec mes gros doigts. Voilà, tu vois, il y a le clavier comme ça, donc ça c'est bien pratique. Hein. Et puis tu as fourni avec une espèce de souris, tu vois, ici. Et ça, je l'utilise beaucoup maintenant sur mes rigs, parce que je trouve ça très facile, ça fonctionne sur batterie. Et bah, tu vois, quand j'ai un souci sur un rig, je me déplace avec ça, puis avec mon petit écran portable. Et bah, ma foi, c'est bien pratique, quoi. Voilà, et puis je voulais te montrer ça aussi. Alors ça, c'est pour une prochaine vidéo. Hein. Donc c'est un Raspberry Pi 4. Et dedans, j'ai mis, tu vois, dans le petit boîtier qu'il y a là, il y a un SSD Samsung d'un Tera. Parce que je vais, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'avais fait une vidéo sur le Bitcoin, sur les nodes Bitcoin. Et donc là, je vais en refaire une nouvelle. Promis, vous aurez tout le nécessaire. Je vais en faire une nouvelle où je vais vous montrer comment monter un node Bitcoin Lightning avec un Raspberry Pi et un petit SSD comme ça que tu ajoutes en plus, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ce type de matériel, hein, et si toi tu en as aussi, hein, si tu utilises encore ça. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.